Ok les gars, bon ben on est reparti pour une petite aventure à The Isles avec un bébé tyrannosaure mâle, tout bébé, regardez, il fait 200 kg, 220 kg, il a que 51 de force, du coup j'ai juste grandi le temps de lancer la vidéo de 1%, c'est pas mal. Bon en gros, objectif, devenir adulte, ce qui est extrêmement difficile sur un serveur où il y a 156 personnes. Et où la plupart des joueurs s'amusent à te tuer gratuitement. Il n'y a aucune règle en fait ce putain de serveur. Ouais, ça fait déjà 4 fois que je recommence. Hein. J'ai jamais passé le stade celui-là. J'ai jamais réussi à devenir comme ça. Bref. Il va falloir vraiment que je la joue discret. Profil bas, je me cache, je suis un bébé. J'ai peur de tout. Voilà, en gros ça va être le principe. Donc devenir adulte et essayer de, bah, de fonder un nid quoi. En trouvant une femelle. Tout en jouant en JKRP sans parler aux joueurs, sans rien, sans vocal. Juste avec le chat qui est ici. Bon là j'ai joué avec eux un peu tout à l'heure mais ils étaient trop nuls. Donc je joue plus avec eux. Et bah là du coup comme vous voyez, c'est de nuit donc c'est pas ouf. On voit vraiment rien. Quelle heure? 21h. Encore sur la plage ça va, c'est un peu éclairé. Non c'est pas dingue quoi. Bref. Voilà, et du coup, ouais, petit truc là, c'est que je mets pas la cam. Alors, c'est vraiment un choix, c'est pour qu'il y ait un peu plus d'immersion dans le jeu. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez quand même voir la cam ou tout simplement pas pour être un peu plus immergé dans ce petit jeu. Bon, du coup, sur ce, va falloir trouver à bouffer et de l'eau. Donc je sais pas du tout par où aller. C'est une nouvelle map qui est vraiment géante celle-là. Pour de bon que l'autre était grande, mais celle-là elle a encore plus. Donc on va essayer de trouver quelque chose à boire déjà. Pour commencer. Bon, à manger aussi. Parce que du coup on a déjà faim. C'est le problème du tyrannosaure. C'est qu'il a tout le temps faim ce con. Et je reconnais pas encore forcément bien les bruits quoi. Des IA ou... Je sais pas ce qui est des bruits d'ambiance ou des bruits d'animaux qu'on peut bouffer en fait, c'est ça le problème. Ouais, par exemple vous entendez sa gueule de partout mais je sais pas si ces bruits là c'est des bruits d'animaux qu'on peut manger. Ça m'a l'air d'être une espèce de chouette quoi. En vrai je suis pas sûr de là où je vais là. Là-bas il y a de l'eau. Bon bah écoutez on va aller là-bas hein. En espérant sur le chemin trouver quelque chose à bouffer. Et pas un triceratops parce qu'on met 10 ans à le tuer. Bon bah c'est parti pour la première migration. Oui, je suis en train de me foutre dans un endroit un peu dangereux là quand même. Les montagnes sont extrêmement dangereuses parce que bah tu peux tomber, glisser, casser une jambe. Surtout quand tu cours. Vraiment pas aller sur les montagnes quoi. Du coup c'est pas grand chose à bouffer sur les montagnes. Bon déjà on se rapproche de l'eau. C'est pas mal. On va passer par la forêt parce que là y a rien à grailler sur la montagne. Je vais pas dû passer par là. Après c'était pour être un peu plus haut et avoir un point de d'odorat un peu plus performant quoi. Mais bon. Ouais là juste de commencer j'ai déjà faim et soif. Le bébé ti il est déjà à moitié mort. Il nous faut quelque chose à bouffer là pour de vrai quoi. Allez. Le truc c'est qu'en fait ce qu'il faut que je me dise là c'est que les points d'eau c'est extrêmement dangereux. Parce que tous les autres dinosaures, ben, ils ont besoin d'eau aussi, tout simplement. Donc en gros, faut rester à proximité d'un point d'eau, mais pas à se mettre à côté, quoi. Ça, c'est vraiment, je pense, une des règles essentielles. Parce qu'en vrai, ouais, trop proche d'un point d'eau... Ouais.
pas bon quoi. Il y en a un qui a eu peur là. Ouais, on se casse direct, hein. On a bu notre eau et on s'arrache. Et on va aller bouffer ce truc là qui gueule. C'est pas un triceratops, hein. Pas trop comment ça s'appelle. Le diminutif c'est Ava. Ava ceratops, tu vois peut-être. En tout cas c'est extrêmement chiant à tuer parce que je suis trop petit pour ça, normalement. Mais là en l'occurrence c'est avec ça. Faudrait qu'il recrie là. Wesh. Mourir de faim. Je vais mettre 10 ans à tuer ce truc là. Bon, on va essayer de le chasser hein. Position d'attaque. Il est pas loin. Vraiment pas loin. Ça va être la misère pour le tuer. On va sur les serveurs lag. Oh là, y'a un gros truc qui crie là. Non, s'il te plaît. Là, franchement, s'il arrive et qu'il me vole mon casse-croûte, c'est fini quoi. Je suis mort. S'il se passe ça. Eh frère, tu crois à la corrida ou quoi? Ça fait une heure que je suis dessus. Je vais bientôt mourir de faim pour de vrai en plus. Ça met tellement longtemps de le tuer que je vais mourir de faim en regardant quoi. En regardant ma bouffe se débattre dans tous les sens. Par contre, faut que tu crèves là pour de vrai. Là, faut qu'il meure. Hein. Je commence à prendre des dégâts à cause de ma faim, quoi. Oh. Alléluia! Il est temps de le manger, par contre. Yes. Oh, c'était tellement compliqué quand tu as un bébé Chag, c'est tellement dur. C'est tellement dur.
Il va commencer à faire jour là. Donc, je vais rester à côté, je me cache dans les arbres du coup. Je reste à l'... Je regarde à travers l'arbre, je regarde ma proie. Voilà. Bon, en vrai, il commence à faire jour. Est-ce que j'ai encore un peu faim? Un petit peu. Mais là, faut vraiment que je la joue discret, quoi. En vrai, le tyrannosaure, c'est vraiment le bébé dinosaure le plus faible. Parce qu'il est lent, mou, c'est-à-dire qu'il fait des demi-tours et il met 10 ans à faire des demi-tours. Du coup, il peut pas se protéger contre les autres. Et il a pas beaucoup de puissance dans la mâchoire. Donc en gros, les autres, tu leur fais aucun dégât, quoi. C'est pour ça que quand il y a un bébé tyra, faut vraiment être discret, quoi. En gros, elle est où l'eau là? Faut que je la sniffe avant qu'il pleuve. Non, trop tard. Ouais, juste là. Vas-y, hein, je compte pas attaquer, laissez-moi tranquille. Là. On va retourner à notre carcasse et bah, en gros on va faire on va attendre quoi. On va attendre de grandir tranquille, on a un bon coin. On a un bon petit coin avec des arbres pour se cacher, un petit point d'eau. Il n'y a pas grand monde j'ai l'impression. On a une carcasse à côté. On va la garder, mais bon, si on se fait attaquer, on va la lâcher là. Par contre, je sais plus du tout où elle était. Allez là. Ouais, c'est un peu flag ça, non? On va se foutre dans l'arbre là. En vrai, c'est bruit, faut aller vérifier ce que c'est là. Je suis obligé. Oh. Il y a des trucs là. En vrai c'est bruit, je crois que c'est des IA à chaque fois. Je crois bien hein. Bon, c'est ma position de chasse. Ah, c'est une IA ça. Il a eu peur. Bon, ok, bon, au moins c'est vérifié, c'est une IA. Bah vas-y on va la bouffer là. Pas d'en cogner. Voilà, hein. Allez. Se reposer après tous ces efforts. Bon, déjà là, je fais 548 kilos. Bon, la vitesse, ça sera toujours la même. La vitesse, elle est elle va avec la taille du dino en gros. Donc, quand j'aurai évolué, j'aurai une vitesse qui changera. Et sinon, ma puissance a un peu amélioré aussi. Mais bon, ça reste très faible. Hein.
Ça reste très faible. Et bon, déjà on a pris 250 kilos là. Ça va. Ça en sort pas mal. Mais je suis à 64%. Donc ça veut dire que je suis pas du tout, du tout, du tout proche d'être comme ça là. Comme lui. Oh que non. Mais bon. Si je continue à jouer comme ça, normalement il n'y a pas de raison. Là je suis super safe. Je joue de toute façon super safe. Mon petit T-Rex là, voilà. C'est juste qu'il faut. En fait, c'est un jeu où tu es obligé d'être patient. Par exemple, les moments où tu es caché comme ça sous les arbres, bah, il faut qu'ils soient nombreux ces moments. Parce que si tu te montes trop, bah tu te fais bouffer quoi. Quand tu es bébé, il faut te cacher. Hein. C'est la loi du plus fort, c'est la loi des animaux, c'est la loi des dinosaures. Faut rester planqué quand tu es tout petit. Donc bah, on va se cacher quoi. Pour l'instant je pense que bah, notre territoire ça va être celui-là. Hein. Quand on sera de. Enfin. Toute la période où on sera bébé, on restera à côté de ce point d'eau et on chassera ce qu'il y a à côté. Mais là en vrai ouais on peut pas trop bouger quoi. On peut pas trop bouger tant qu'on est. Tant qu'on est petit, donc je pense qu'on va rester là, les gars. Je pense bien pour être le plus safe possible, quoi. Parce que sinon, ça risque de les choses risquent de dégénérer, quoi. Faut vraiment jouer de façon extrêmement sérieuse en gros pour pouvoir y arriver avec un T-Rex. Parce que là, tu peux pas te déplacer, tu peux pas courir vite, tu peux pas courir longtemps. Tu peux pas mordre fort quand tu es petit. Quand tu es petit, tu es juste une victime. Donc voilà, on va jouer tranquille quoi. On va rester je pense pendant très longtemps ici, jusqu'à atteindre ce niveau au moins on pourra un peu se déplacer. En gros là ça va, j'ai déjà un peu grandi hein. En vrai ouais. J'ai un petit peu grandi, ça se voit, ça commence à se voir, je trouve. Bon, bien que j'ai toujours peur de tout. Là, y a un truc qui gueule, on va pas rester, hein. On va se cacher direct. Le truc c'est qu'en fait c'est ça le problème de ce jeu, c'est que tu as vraiment envie de voir ce que c'est quoi. T'as vraiment envie de voir ce que c'est, mais la curiosité des bébés T-Rex c'est souvent fatale. Parce que les autres dinosaures enfin. Les autres dinosaures ne sont pas vos amis. À vous tous les bébés T-Rex. Ça grogne hein. Oh putain. J'ai pas très bien caché là. Vous voyez lui il est beaucoup 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 plus gros que moi. Mais du coup il est très dangereux quoi. C'est un T-Rex aussi je crois. Il est accompagné d'un petit. Voilà putain. Aïe aïe aïe.
J'espère juste qu'ils vont pas rester là quoi. Il check en tout cas, hein. Il essaie de voir si je suis là, si je suis quelque part quoi. Il sait qu'il y a quelque chose. Aïe. Je crois que j'ai fait du bruit. Putain, ça fait peur quand tu vois dans ma direction, c'est terrible. Là, ça peut s'arrêter tout, hein, les gars. En fait, il y a un truc qui fait du bruit, je sais pas ce que c'est. C'est le moment de s'approcher. Je vais essayer de s'approcher un peu. Ouais, on pourrait se faire une petite famille là. Lui il me regarde, il a rien fait pour l'instant. Par contre l'autre je sais pas où il est quoi. Elle fait un cri gentil. Ok, 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 je me casse. Putain, terrible. J'ai fait un cri gentil. Ah, c'est bon, tu m'as traqué toi. Casse-toi. Mais y'a un nid! Mais c'est un nid de quoi? Ok. D'accord, on est tombé sur un endroit en fait où il y a un nid depuis tout à l'heure quoi. Pas forcément l'endroit le plus safe du monde en fin de compte. Ah, c'est pas grave, on va quand même rester là, hein. On n'a pas le choix de toute façon. Je peux pas bouger quoi. Je peux pas bouger, je suis totalement fixe. Par contre, je sais qu'il y a d'autres dinosaures quoi. Donc quoi. Ouais. Du coup. Mais ouais, je suis totalement fixe quoi. Je peux pas. Je suis trop fragile. Je suis beaucoup trop fragile pour pouvoir me déplacer. Hein. Je l'ai foutu où ma carcasse de tout à l'heure là. Alors là, non.
plus ici c'est pas trop mal comme territoire en vrai. Il y a de la forêt, il y a de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits animaux qu'on pourra bouffer tranquillement. Voilà, cette plaine c'est pas le top hein, mais bon. Ah c'était vers là, bah il y est toujours, ça c'est cool. Pour manger un petit bout. Ok, ça je suis pas mal. En vrai ouais, faut pas que je reste à côté de l'eau. L'eau c'est trop dangereux, ça fait venir tout le monde. Faut que je reste un peu éloigné de l'eau, mais à proximité quand même, pas à proximité immédiate quoi. Sinon c'est beaucoup trop dangereux. On va essayer de faire ça hein. Il faut vraiment se fixer cette règle quoi. Je pense qu'on est plutôt pas mal sur ce premier épisode de la série. Non, vous en pensez quoi? Je pense que ouais, hein. Ouais, toi aussi tu penses que ouais. Bon. Bah du coup, on va stop ici pour ce premier épisode de Bébéti. Et bah, à bientôt pour l'épisode 2. Et du coup, dites-moi si vous préférez qu'il la calme ou pas quand même. Allez, ciao guys.